Alouette, les infos. Avec Morgane Juvin, bonjour. Bonjour Julien, bonjour à tous. La présidente LR des Pays de la Loire évoque l'idée de la mise en place d'une petite centrale nucléaire près de Nantes à Cordemais. Une déclaration qui a déclenché la colère de certains élus. Pour Mathieu Orphelin, député écologiste du Maine-et-Loire, c'est inacceptable. Certains conseillers régionaux de la France Insoumise parlent même de folie. Christelle Morançais, elle, souhaite s'aligner sur le plan France 2030 d'Emmanuel Macron. Un plan de construction de mini-centrales nucléaires avec des petits réacteurs modulaires. Les vacances de la Toussaint débutent ce soir et les TGV sont presque tous complets dans l'Ouest. Attention si vous possédez un billet puisque un TGV sur 5 sera annulé sur l'axe Atlantique demain. Certains conducteurs se mettent en grève à l'appel de 3 syndicats. Ils dénoncent notamment les conditions de travail. Dimanche, un TGV sur 3 sera annulé. Pour rappel, l'axe Atlantique relie La Rochelle, Nantes ou encore Bordeaux à Paris. Près de Nantes, un homme a été blessé par balle ce matin. Ça s'est passé peu avant 9h à Saint-Herblain. L'homme de 21 ans était alors dans sa voiture sur le parking du Lidl de Bellevue. Selon un témoin, le tireur serait un des passagers de la voiture. C'est la 12e victime par balle depuis le début de l'année à Nantes et aux alentours. En Gironde, 6 ans après l'accident de Puy-Seguin faisant 43 morts, le non-lieu a été prononcé la semaine dernière. Les avocats des victimes vont faire appel de cette décision. Pour rappel, le 23 octobre 2015, un camion percute de plein fouet un quart de personnes âgées dans le Libournais. Les deux véhicules s'embrasent. Cet accident de la route le plus grave en France depuis 1982 aura fait 43 morts et 8 blessés. Les sports maintenant, on commence avec de la Ligue 1 ce soir en football. Angesco joue chez la Lanterne Rouge, ou plutôt la Lanterne Verte, Saint-Etienne. Les Verts n'ont toujours pas gagné en championnat. En Star League de handball, le HBC Nantes accueille Nancy ce soir. Les Nantais qui devraient perdre leur coach à la fin de la saison. Le chef d'orchestre nantais devrait rejoindre Limoges, le LH qui d'ailleurs a perdu en championnat hier contre Cesson-Rennes. On termine avec du volley et ce duel ce soir entre Poitiers et Nantes en Liga masculine. Tours de son côté reçoit Nice. Prochain point sur l'information dans une heure. Merci Morgane, à tout à l'heure. Toujours plus de hits.